اهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بيكم. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien, que vous avez passé une excellente journée. Ana sawa alhamdoulillah. Aujourd'hui, je vous retrouve tomate chenne ou charme zit, ça va devenir une habitude. Favoris, c'est une vidéo que ça fait longtemps que je fais, ça se dit pas, mais bon. Les favoris que je vous présente maintenant, soit un soft home, soit Camel Tom, soit ça fait quand même un bon moment l'Instagram Home. Du coup, si je vous dis qu'il est bien, c'est que vraiment, je l'ai testé longtemps. Et j'ai aussi des flops, les Siyit, Ma'am Siyit, Ma'am, mais Mah Bouchi Jouzou, qui m'a chier, petit Siyiti, mais ça marche pas. Voilà. On va commencer avec les tops. Le premier top, Yandi, c'est Head La Palette. Mon dieu, Head La Palette, tellement chapa qu'en fait, ma chère Tani Kalbi, je l'utilise. C'est la Chocolate Gold, c'est une des palettes que j'ai le plus voulu avoir de toute ma collection de maquillage. Elle est magnifique, elle est sublime. Fait à des fards mat et des fards irisés, bien sûr fait à plus d'irisés que de mat. Je la trouve magnifique. Cette palette déjà, elles sont hyper bonnes, elles sont super méga bonnes. En fait comme le chocolat bar, mais elle dit c'est blé, pas ça l'autre. Elle coûtait 13 000 et quelques, je cherche le prix. Mais elle coûte dans les environs de 13 000 dinars. Deuxième produit favori de cette vidéo, c'est un parfum de chez Dolce Gabbana. Hada, par contre, je ne l'ai pas acheté. C'est la Morena Zen qui me l'a offerte, Sophia. Si tu passes par là, je te fais un gros 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 bisou. On n'a pas eu l'occasion de se revoir ou de se reparler depuis que Oulit me Londres. Mais sache que je pense beaucoup à toi. Je t'aime beaucoup. C'est une fille en or. Elle est toute là. Je l'ai rencontrée. On a dîné thaïlandais ensemble. Elle est trop trop gentille. Donc si tu passes par là, Morena Zen, bisou. Et c'est le Intense de chez Dolce Gabbana. Mais le bataïchma, yéma, ce parfum c'est ma vie. Troisième favori qui est quelque chose d'assez utile, je trouve, c'est le détachant Ta Leader Price. Il est censé enlever les taches de maquillage, d'herbe, de terre, de sang, de crayon de couleur, de feutre. Ou hada, ça change la vie. Parce que tu as vu que tu connais une tache à café, tu c'est mort, tu as fait des couleurs, c'est le terme au lavage. Mais avec ça, ça change tout puisque dès l'heure, je suis à faire la tâche, très loin 2 minutes, vous frottez et la tâche a disparu. Donc ça, ça m'a réellement changé la vie. Autre produit que je vais vous présenter, non, ce n'est pas un bouchon de Nutella Lidl Top, les favoritaires. C'est un savon que j'ai mis à l'intérieur parce qu'il est devenu trop trop petit. Voilà, je sais, c'est ridicule de vous le montrer à cas, mais j'ai pas le choix parce que je l'utilise trop et je l'aime beaucoup. C'est les savons Ter Bedouin Cosmetics. Je vous en parlais beaucoup sur mes réseaux sociaux. C'est des petits savons à cas qui coûtent 450 dinars. C'est les deux savons mes préférés. Et un troisième avec le jazar. Mais moi, mes préférés, c'est le marron et l'autre c'est des savons de ouf. En fait, le savon, c'est un savon qui est anti-acnéique et qui baille de la peau. On a des deux trucs les chiffres parce qu'en fait, Nia, à un moment, elle avait une éruption d'acné, elle a testé le savon Ter Bedouin et je pense que vous, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, Wucha Sfa complètement. Donc, elle a plus aucun bouton grâce à ce savon. C'est vrai que même si je l'acné, j'ai plus vu le résultat parce que Nia, c'est ma vie, j'ai toujours été complexée. Mais maman douterait parce qu'elle a créé le genre. Du coup, elle a toujours un peu de rohé. Et had le savon qui m'a fait l'abonné à l'abonné. Je suis devenue transparente, ma gueule. Je te promets que ça, c'est la vie. Du coup, les savons Ter Bedouin Cosmetics, je les valide à 100%. Très d'autres savons. Regarde les cosmétiques, je sais que c'est un savon qui avait le buzz. Il se vend partout, dans toutes les wilayas, dans tous les cosmétiques. Du coup, je suis sûre que ma hiche a du mal à le retrouver. Et il coûte seulement 450 dinars. En bas d'un, un des deux produits capillaires à vous présenter. Wahda, c'est la kératine qui tabi face des années de l'imitali. Parce que justement, on a vu qu'un des points de terre est fine sur le même le concher de l'inaumzit. Le tahté, il ben neige tellement mahrouk. Donc, du coup, katis y est d'ailleurs. Et c'est un produit super, super bien. Un endirouf les pointes, il rjali mes pointes lisses, hakaya et souple et. Je le valide à 100%. La preuve, je l'ai bien bien utilisé depuis qu'elle me l'a donné, quand Toli était neuf. Parce qu'en fait, hier, elle en fait des backups chez les plusieurs autres béhommes, tellement elle aime ce produit. Et je suis d'accord avec elle. Deuxième, c'est le Hot and Curl de L'Oréal. Sur Instagram. C'est un spray protecteur de chaleur, mais pas que, parce qu'en fait, il est fait spécialement pour les cheveux lignes bouclées au fer. Il permet de retenir les boucles et en même temps de les protéger. On le spray sur cheveux humides. Alors ce que je fais, c'est que je le spray sur cheveux humides. Et quand je veux vraiment un effet vraiment flagrant, je le spray, mais je ne vous conseille pas trop de le faire. Parce que le quand il y a quelque chose dans vos cheveux, et moi j'aime pas ça.
mais qui déroule en petites touches sur cheveux humides. Il protège de la chaleur et les boucles Takum Irkado. C'est un excellent hadaya. Autre produit, c'est la lotion micellaire tout en un ta Garnier. Hadi tani, hadro bzaf aliha les réseaux sociaux les youtubeuses. Du coup, j'ai voulu la tester. J'ai le grand format à 400 ml. Les mahsit le gars qui fait jazz en passant. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, nettoie oui, démaquille oui, matifie. Ce n'est pas vrai. Il ne matifie pas. Anna, pour moi, mais quand je suis une solution micellaire ou une lotion, elle matifie la peau puisque des crèmes et des fonds de teint. Donc je ne pense pas qu'une lotion micellaire peut te matifier le ouji. D'autant plus que si tu as utilisé ça ou si tu as matifié le ouji. Du coup, pour l'effet matifiant, je ne suis pas d'accord, mais matifiée, mais par contre, elle démaquille super bien. Et le plus important, c'est que je ne laisse pas le souqi. Je ne laisse pas le ouji qui est blé. Sincèrement, je déteste ça. Je l'aime pour ça, c'est que quand je ne laisse pas le ouji, je ne laisse pas la lotion de l'arbre, c'est-à-dire que je l'aime trop, elle est ma détache mes favoris, mais hey là. نحكمني كالوسيون تاع القارص تاع ديلو نديرها من الفوق هكا اك سي كوم سي كغسل وجهي بالصابون جي ميم با بوزوان نغسل وجهي دونك هادي هي جو ليم بوكو بور سا. اوت برودوي كو جو فو بريزونتي سي هاد هويل دو شي لوريال. سي اون هويل سيبو ريغولاتريس. سي اون هويل بور لي بو غراس بي سي اون هويل سيبو ريغولاتريس ريكيليبرونت سما ال ريكيليبر ال ريكيليبر لا بو. كيما قلت لكم في دي بريزيدونت فيديو سور مي ريزو سوسيو بلي لا بو غراس ماشي لازم ما تزيدوش تيدراتيوها او كونترير لازم تزيدوا لها الزيت هذاك اللي خاصها باسكو هي سو سون با بيان كو تخرج زيت. دوكو هاد الزيت سي اون هويل ريكيليبرونت كي ريكيليبر لا بو. تستعملوها افون فوتر كريم هيدراتونت اي موا جو ليم بوكو باسكو ان فيت سي اون هويل سيش سكي فيك ما تزيدش الوجه شغل كي ديروها تدخل ما تخليش هذاك لي في غرا. مكتوب huile sèche visage rééquilibrante nourrit illumine et resserre les pores pour les peaux normales à mixte. Resserre les pores, j'ai pas encore vu de résultat parce que كيما شفتو ما استعملتهاش vraiment vraiment ça fait 2-3 semaines وانا ندير بها étant donné que ما نديرش بزاف لازم vraiment انا ندير قطره 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 وقطره du coup ما هبطتش بزاف. Je peux pas نقول لكم الى لا اني في resserre les pores لازم نكون vraiment نصفتها شويه باش نشوف لو ريزلتات. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle illumine la peau, elle hydrate beaucoup ou me dit chilouja. Produit autre d'autre, c'est head le fond de teint à Smashbox. Je peux vous dire que c'est le meilleur fond de teint que j'ai dans ma collection. Au point où il a détrôné le Hermat Terrier de Bourgeois, alors que depuis des années, je ne jure que par le Hermat de Bourgeois. Il est naturel, il est mat, il est magnifique. Ce fond de teint, c'est vraiment une tuerie. On allez, maintenant je vais le faire tous les jours. De faire les occasions, je vais les faire. J'ai un bronzer et deux blushs à vous présenter. Le bronzer Hadaya, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je sais que j'ai très mal prononcé, mais c'est un bronzer que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Kathleen Knight et je l'adore. C'est un des bronzers les plus naturels que j'ai essayé. Côté blush, j'ai deux blushs à vous présenter en Malcolm Liom. J'ai le Revlon, l'Istamel Tout, ma vidéo, le Chit Chat Makeup. Ou j'ai Hadaya, le Milani, ta Milani. Le Baked Blush de Milani, Hada en fait c'est un blush highlighter. Il est magnifique, c'est en même temps un blush, en même temps un highlighter. Il est tellement beau, il est trop beau. Autre produit hydratation que je vais vous montrer, j'aurais dû vous le montrer, mais lui il a déjà. C'est du L'Oréal Tony, c'est tout L'Oréal bébé. C'est la crème sublimiste, elle est... Non mais elle est crème. Choufa, elle est crème, elle est crème. Et Nardin Colcom, c'est une des meilleures crèmes de nuit que j'ai pu tester. J'adore la texture en fait. Qui n'a appliqué la cache, elle est douce. Elle est veloutée, elle est douce, elle est trop bien, elle hydrate trop bien. Le lendemain qui est note, j'ai la peau hydratée, j'ai la peau chaude réveillée et j'aime beaucoup de la crème. En barre d'infos, je vais vous mettre tous les produits et win chaque produit win chez ou je win le prochain favori, c'est des bandes blanchissantes ta Beautiful Smile ou ce moment les Pro Whitening Strips. Le premier truc à dire sur Aide les bandes qui est bien, c'est qu'elles sont sans peroxyde. Le peroxyde d'Ebelette, c'est très mauvais pour les dents. C'est mauvais. Donc, un acquis de des bandes blanchissantes sans peroxyde et qui sont moins chères que d'autres sur le marché, puisqu'elles coûtent 6500 dinars au lieu de 12000, 15000 pour les autres bandes, je me suis dit, why not? Je dois les essayer. Et à partir de la première utilisation, vous voyez un résultat. Le résultat, il est flagrant. Par contre, faut savoir que moi, j'ai pas les dents vraiment jaunes. Du coup, ça se voit fille. Mais le blend Zama, il a une dent extrêmement jaune. C'est vrai que à la première, deuxième bande, je suis sur le deuxième gilba. Tu vois un résultat, mais progressif. Dernier produit, vite fait, c'est l'anti-cerne photo ready Tarevlon. D'ailleurs, il est trop bien. À l'âge, parce que il est naturel en fait. Ma chidja est plus claire que ma peau, du coup ma délice avec l'effet highlighté. Parce que je vous explique, avec l'effet blanc avec les cernes qui m'a dit les youtubeuses et qui m'a anandir, c'est bien quand vous vous maquillez. Mais bah je dirais avec l'effet bark ou sous trilou hakak, tu as nous des cadavres. Pour faire hakak, ils ont dit le bronzer, des blush, des gars, genre vous vous maquillez gars.
Donc, elle, quand je veux pas me maquiller, parce qu'il y a des moments où je me maquille pas, genre des ralentissants ou de mascara, je vais toujours vers Ed Lantissane. Parce que, étant donné qu'il a la même couleur que mon visage, il me camoufle les cernes, mais ni vu ni connu. Je suis même pas gamin maquillée et j'adore Ed avec l'effet. Du coup, cette Lantissane, je l'aime beaucoup. Surtout, donc, à la période dans un instant, le rerwa, couler au milieu des ralentissants, parce qu'il est très naturel. Et j'adore. Donc pour les flops, pour commencer, j'ai un shampoing sec à Baptiste. En temps normal, j'adore les shampoings secs à Baptiste. Du coup, parce que c'est une des les favoris. Had le dry shampoo coconut exotique tropical, le mini Hada. C'est un excellent. Mais par contre, en fait, Baptiste, il fait non. Dero deux en un. En fait, c'est entre un shampoing sec et un après-shampoing. Du coup, il va enlever avec l'effet gras des cheveux, mais il va quand même les hydrater. Ce qu'il ne fait pas du tout. Je trouve que l'équilibre n'est pas respecté. Puisque Kindero, je trouve qu'il déshydrate les charlets encore plus. Pour moi, il ne fait pas son travail. C'est pas un shampoing sec, il n'absorbe pas l'huile. Voilà. Anna, pour moi, c'est un flop avec le shampoing sec, je n'aime pas du tout. Deuxième produit, ça me désole que mon bouche. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est le Ultra HD Make Up Forever. Cet anti-cerne, il est trop cher. Il est trop cher pour ce que c'est. En fait, il est trop liquide. Il est trop liquide, du coup, il circule les résules et il vieillit mal. Il vieillit très mal. Dès lors, tu sens le genre, tu sens normal. On peut dire, tu vois qu'il fait cher, il te refait les résules. Il fait genre un effet peau de crocodile, je l'aime pas du tout. Il est... Pour moi, il n'en vaut pas du tout la peine. Ça me désole de le dire. J'aime bien les produits Make Up Forever. Même j'adore les produits Make Up Forever. Par contre, cet anti-cerne, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Le troisième flop, c'est la gamme de masques Skin Active de Garnier. Quand je dis gamme, parce qu'en fait, mes chéris Hadali Madjibni, j'ai reçu Melan Garnier toute la gamme. Je les remercie d'ailleurs. Mais je trouve que la gamme Skin Active, elle manque encore parce qu'elle n'est pas bien. J'ai essayé le réducteur de pore, j'ai essayé le matifiant avec le verre purifiant, j'ai essayé avec le éclat Blqars. Mais j'ai vu un résultat, ma peau douce. En bas, autre favori, c'est le rouge à lèvres liquide de Forever 52. En fait, il y a une zone de la face, mais je n'aime pas les rouges à lèvres liquide de Forever 52, du moins, il y a une carrière. La première chose, c'est l'embout de la peau. Il y a beaucoup de mousse sur une mousse, une gerbe haka. J'aime pas ça parce que ça, quand je dessine mes lèvres, je les dessine pas bien à cause de l'hatba. C'est la première chose. La deuxième chose qui est la plus importante, quand j'ai un hatba, c'est normal. Mais le problème, c'est que les rouges à lèvres liquides, mais ils sont pas bien. Ou ils déroulent le pire truc que les rouges à lèvres liquides. Toi-même, tu sais, c'est un carnage. Elle est chouette. Les rouges à lèvres liquides mat, je les aime pas. J'aime pas qu'il y ait des retraces. Ce n'est pas possible. Du coup, les rouges à lèvres liquides, ta Forever 52, c'est pas possible. Dernier flop de la vidéo, c'est le mascara ultra volume ta Revlon. Le mascara coûte une centaine de bzaf. Parce que derrière les campagnes publicitaires, les youtubeuses françaises. Les mascaras à dos. Il y a le rose, le vert, le bleu. Elle a dit le rose ou le bleu. Le vert. Hada qalek volume, ultra volume. Donc normalement, un minimum. J'aime pas. Les mascaras Hada ta Revlon, j'aime pas. Donc voilà pour la vidéo, le bled. J'espère que vous avez pu vous retrouver, que je vous ai un petit peu aidé, que ça s'est essayé. Je vous ai aidé à mettre. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Mais chaque fait comme tout le monde, vous la vidéo. Écoute, qu'est-ce que je te dis. C'est comme ça, hein. Allez, vous comme ça. 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 Vous comme